Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit. Il est temps pour moi de dire au revoir aux téléspectateurs. J'ai écrit un petit texte, hein, quand même. Je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide. Alors comment le pourrais-je après tant d'émotions, de surprises et surtout après 33 ans avec vous, on a créé des liens très forts. Je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie, vous le savez. C'était un honneur de pouvoir traverser la petite, la grande histoire du monde grâce à vous, à votre fidélité et pour beaucoup, eh oui, celle de vos grands-parents et de vos parents. Ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années. Pour vous écouter, faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs. Ça a été une révolution il y a 33 ans, ça a été ma ligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier. Faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions, jusque dans les plus petits villages. On a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi. Merci à mes trois patrons, je tiens à les citer. Patrick Lelay qui nous a quittés il y a quelques mois, Nonce Paolini, Gilles Pélisson, de m'avoir laissé cette liberté, formidable liberté et indépendance sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt. Je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté. C'est l'âme du journal. Je suis très triste de les quitter aujourd'hui. Ils se sont tellement battus à mes côtés. Merci aux journalistes, aux techniciens, aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins. On a formé la famille du 13h pendant 30 ans. Alors, il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie. Donc, j'arrête. Avouez qu'à mon âge, on peut avoir envie d'un autre rythme. J'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure, pour ma mère qui, pendant 30 ans, n'a jamais manqué. Et voilà, et je craque. Elle n'a jamais manqué un journal, elle nous regarde sans doute de là-haut. Mais je vous abandonne pas pour autant.